of all the art forms, there's something so unique about dance, and that is that we are using our bodies as our instrument. And everything that we realize about the world lives through our body. It can't live anywhere else except with us. And so we are like a microcosm of the whole universe. Alors Dancing Mountain, c'est une commande de la Nuit des Ours. La Nuit des Ours, c'est un événement culturel qui a lieu à Valorcine chaque été et qui propose différentes performances artistiques dans la nature. Dancing Mountain, c'est donc un an et demi de travail avec 19 danseuses et un musicien. Un travail de recherche sur Anna Alprin, la chorégraphe américaine qui est la pionnière de la danse postmoderne. On est tous pour danser. Ouais. On a travaillé sur différentes choses autour de la danse improvisation, de l'écoute, du partage. C'est vrai qu'on parle d'improvisation, alors souvent on a une représentation où on se dit que c'est, comment dire, on peut faire n'importe quoi dans l'impro. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un travail qui mobilise, je pense, des choses différentes chez chacun d'entre nous. Je crois que je l'ai en moi depuis toute petite, que le mouvement fait du bien. Et là, j'en ai eu la preuve tout au long du projet. C'est l'endroit où je me le sens plus authentique dans mon quotidien. C'est quand je suis en train de danser, pas de danser forcément une chorégraphie, mais danser ce que mon corps, mon esprit, mon âme ont envie de faire sans poser de jugement. Ça a été une libération de ce qu'on pense devoir être, ce qu'on pense devoir montrer, ce qu'on pense devoir. C'était le propos de Dancing Mountain, c'est le corps en fait. Comment est-ce que j'interagis avec les autres, comment mon corps interagit dans un espace naturel. Pour Dancing Mountains, le fait d'avoir choisi Anna Alprin comme inspiration, c'était complètement en lien avec danser à l'extérieur. Anna Alprin, elle a beaucoup créé des performances avec les éléments naturels, la mer, la montagne. On a travaillé en studio, mais c'est vrai que c'est une performance qui se vouait dès le début à se trouver dans l'espace à l'extérieur. Enfin, c'est la première fois finalement qu'on danse vraiment dans l'herbe avec un vrai cercle. Ça m'a hyper inspirée là de toucher l'herbe, de danser avec le ciel, de danser avec la montagne. Pour moi, il y avait deux grandes valeurs sur ce projet. C'était le non-jugement. Et puis aussi la non-discrimination, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été proposé à des danseuses et non-danseuses. Pour moi, c'est vraiment une pépite, quoi. À chaque séance de préparation du projet, la remise en mouvement a créé quelque chose d'extrêmement agréable et d'extrêmement constructif et de créatif. Ça génère de l'amitié, ça génère du respect, ça génère de l'ouverture. Moi, ça m'a fait encore plus réaliser à quel point le lien et le toucher, c'est tellement important. C'est tellement important de s'aimer, de célébrer la vie, de se faire du bien ensemble. On est toutes différentes. Peut-être dans la vie, on ne se serait jamais croisées ou on n'a pas forcément tous les mêmes manières de vivre, de penser. On se retrouve unis dans la danse et par Anna Alprin, en fait. Thank you.